On est d'accord, les culottes menstruelles, c'est assez onéreux et dans cette vidéo, j'ai voulu vous donner mes bons plans, mais aussi vous parler d'une marque qui m'a contactée et que je trouve que le concept est juste excellent. J'ai une surprise pour vous d'ailleurs dans cette vidéo, je vous laisse regarder. Pour les personnes qui auraient suivi il y a quelques mois, je vous ai sorti une vidéo vous parlant de mon acné adulte qui était due au fait que je portais un stérilet pendant 3 ans qui m'injectait tout simplement des fausses hormones, donc des hormones artificielles. Et pour ce fait, je n'avais plus mes règles pendant 3 ans. Ça fait donc maintenant 4 mois que je l'ai retiré et que ma peau va déjà beaucoup mieux. Je n'ai plus du tout d'acné et mes règles sont donc revenues. 3 ans en arrière, avant de poser mon stérilet, on parlait pas énormément des culottes de règles. On en parlait, ça commençait à venir sur le marché, mais on n'en parlait pas des masses et c'est peut-être pour ça aussi que je m'y suis pas vraiment penchée. Depuis que mes règles sont revenues il y a 4 mois, j'ai décidé de me pencher sur les culottes de règles. Déjà premièrement parce que c'est beaucoup plus écologique, beaucoup plus économique et je vais vous expliquer pourquoi. En story Instagram, je vous ai posé un sticker où vous m'avez posé plusieurs questions concernant les culottes de règles et je vais donc vous y répondre dans cette vidéo, mais je vais également vous partager tous mes bons plans pour avoir des culottes de règles à des prix abordables. La première question, penses-tu qu'on puisse adopter les culottes avec un flux très abondant? C'est ce qui me freine. Je me suis dit exactement la même chose quand j'ai passé commande et surtout quand elles sont arrivées. En fait, c'est tellement fin que je me suis dit mais c'est pas possible, en fait, ça va passer à travers. Sachant que j'ai pris des culottes de règles avec flux abondant parce que vous pouvez bien évidemment choisir votre flux léger, moyen et très abondant. Je vous cache pas que mes 2 premiers jours de cycle de règles, j'ai des flux très abondants et la culotte m'a tenue la journée complète. Ensuite, je l'ai changée pour aller me coucher et elle m'a tenue la nuit complète, sans fuite, sans rien. C'était mais nickel. Franchement, ne soyez pas freinés par rapport à votre flux. Elles sont totalement adaptées à votre type de flux, qu'il soit moins, voire très abondant. C'est totalement adapté. Très sincèrement, je pense que vous allez la garder beaucoup plus longtemps qu'un tampon ou qu'une serviette. Je veux tellement passer juste aux culottes, mais c'est tellement cher. Quand on réfléchit sur le court terme, on se dit « punaise, ça coûte bonbon ». Je suis tout à fait d'accord avec vous. En revanche, si on réfléchit sur le long terme, c'est beaucoup plus rentable. Si on fait le compte sur une année complète, une culotte de règles, vous allez la payer 50 euros. Et encore, je vais vous donner des offres un petit peu plus tard dans la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Admettons que vous payez votre culotte de règles 50 euros. Ok, au premier achat, ça fait cher. Mais vous n'allez plus avoir besoin d'acheter de serviettes hygiéniques, ni de tampons, ni de serviettes de nuit, ni autres. Enfin bref, posez-vous avec une calculatrice. Calculez le prix de vos serviettes, tampons, serviettes de nuit sur une année complète et regardez combien vous dépensez sur un an, sachant qu'une culotte de règles, ça vous coûte 50 euros pour 5 à 7 ans peut-être. Donc voilà, dites-vous que vous payez 50 euros, mais la culotte, vous allez la laver, la réutiliser et la garder 5 à 7 ans. Une serviette hygiénique, vous la lavez pas pour ensuite la reporter, vous la jetez et vous en achetez d'autres. Je vais enfin vous partager mes bons plans, les premières culottes de règles que j'ai achetées. Je vous avoue avoir brassé un petit peu tout internet pour essayer de trouver le meilleur prix avec quand même une qualité et aussi physiquement des culottes qui soient quand même assez jolies. J'avais pas envie de me retrouver avec une grosse couche. Le pack que j'ai utilisé, donc c'est celui-ci que j'ai trouvé sur Beauté Privée de la marque Mendiz ou Mandiz, je sais pas trop comment ça se prononce, bref, on s'en fiche, c'est pas le sujet. Ce sont donc des culottes de règles qui physiquement, franchement, me plaisaient. Je me disais qu'elles étaient quand même assez jolies. Elles sont taille haute pour avoir vraiment un confort total et très sincèrement, comme je vous le disais précédemment dans la vidéo, elles me durent une journée complète et une nuit complète en renouvelant donc la culotte. Donc une culotte va me durer une journée complète et une deuxième culotte va me durer toute la nuit complète. Donc franchement, c'est vraiment top. Là, c'est un pack de 6 pour 55 euros. Donc ça, c'est déjà le premier bon plan que je peux vous partager. Donc bien évidemment, si vous avez des lots de 6 à 55 euros, vous pouvez trouver une seule culotte à peut-être 10, 15 euros. Ça vaut le coup si vous avez juste envie de tester parce que peut-être que ça ne vous plaît pas de porter une culotte menstruelle. Sachez que Primark a sorti une collection culottes menstruelles à des prix allant de 15 à 20 euros et ils font également des packs de 3 voire 6. Donc franchement, je trouve ça hyper raisonnable si vous avez envie de tester. Si vous avez un Primark pas loin de chez vous, testez. Franchement, moi j'ai pas osé les acheter parce que j'avais déjà acheté les miennes, donc voilà. Mais franchement, je trouve que ça vaut le coup, c'est beaucoup moins cher, c'est beaucoup moins cher que les marques spécialisées. Après, est-ce qu'elles sont
aussi efficace ou pas, je ne sais pas, je n'en ai pas acheté, mais je voulais vous partager ce bon plan. Et ça peut vous permettre en tout cas de tester peut-être une culotte menstruelle, à savoir si vous aimez, pour ensuite investir dans des packs ou dans des marques spécialisées dans le domaine. Le troisième et dernier bon plan, la marque Malucette m'a contacté pour que je puisse tester et vous parler de leur tanga menstruel. Je trouve que le concept est vraiment cool parce que pour les personnes qui ne sont pas trop fans des culottes déjà de base et que vous préférez les tangas voire les strings, mais que vous pouvez faire un effort pendant vos règles et de porter un tanga, ce sont des tangas fabriqués dans la capitale française du textile à Troyes. Les tangas menstruels sont confectionnés à partir de tissus bio-certifiés Ecotex standard 100. Le tanga ressemble à ceci, je vous l'accorde, ce n'est pas le sous-vêtement le plus sexy de la terre, mais c'est quelque chose d'assez simple. Et très personnellement, lors de mes règles, je ne cherche pas à être sexy, mais plutôt à être confortable. C'est le premier tanga 100% bio, 100% français, donc je trouve que le concept est vraiment cool. Je vous accorde que c'est pas le sous-vêtement le plus sexy de la terre, mais en réalité il est très simple, il est hyper confortable et en plus il est hyper souple. Donc franchement, au niveau de la matière, on est sur une matière qui est vraiment très douce, hyper confortable. Franchement, je trouve ça trop cool. Le concept, j'ai adoré. Vous pouvez le porter jusqu'à 12 heures d'affilée. Le site internet, il est super bien fait. Vous pouvez donc choisir votre taille, la quantité de tanga que vous voulez, la colorie que vous souhaitez. Bon, pour l'instant, ils font pas énormément de coloris. Il y a du noir, du violet et très bientôt, là, ils vont sortir des rouges qui sont trop mignons. Et vous pouvez donc choisir votre type de flux, donc s'il est plus ou moins abondant. Je vous invite très vivement à aller les soutenir parce que je trouve que leur concept est vraiment top et révolutionnaire. Sur le site, vous avez le choix entre un tanga à 47€, sinon vous avez des packs de 3 à 99€ et des packs de 5 à 150€. Franchement, ça vaut trop le coup et vous avez 20% de remise avec mon code Estelle20 qui vous permet donc de bénéficier d'une remise qui est quand même assez haute vis-à-vis des prix. 20% sur 47€, ça fait combien? Faut que je fasse ma calculatrice. Bref, je vous afficherai le prix ici. Je trouve que ça vaut totalement le coup. Donc, n'hésitez pas à tester peut-être un tanga pour commencer. Et si ça vous plaît, après, vous en commanderez autant que vous voulez. Bref, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si tout ce que je vous ai dit vous a apporté quelque chose. Et venez me rejoindre sur Instagram et sur TikTok parce qu'on rigole bien là-bas. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.